Il y a des trucs qu'il faut plus faire hein, aujourd'hui. Attention, hein, faut pas déconner. Hein. Oh, eh, oh, tu risques de te faire lyncher dans tout le pays. Hein. Non, si tu racontes des blagues, hein, t'es en famille, tu racontes des blagues ou avec des copains, des amis, tout ça, ou si tu fais un sketch sur scène, faut plus faire des trucs style. Présentement, je suis content de te voir, mon ami. Ça tu fais plus, hein. Ah non, t'arrêtes, hein. Mais genre les amis, je suis bien content d'être avec vous ce soir. Ça tu fais plus non plus, hein. Bonjour, bienvenue dans mon restaurant. Est-ce que tu veux un même? Ça tu arrêtes immédiatement ce genre de truc. Hey caray, je vais regarder les matchs de football. Ça aussi t'arrêtes. Ma, qu'est-ce que t'es dit là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça tu fais plus ça non plus, hein. Ah non. Ça aussi t'arrêtes, hein. C'est plus possible. Ah, nous avons les moyens de vous faire parler. Alors ça craint un maximum, ça. Bonjour madame, bonjour monsieur. Un ticket restaurant, une petite pièce. Ça t'arrête, ça craint. Moi, grand chef Apache. Ça t'arrête aussi, direct. Ça craint. Bon, ça, on sait pas trop ce que c'est, mais tu le fais pas dans le doute. Ça, tu évites, ça. Qu'est-ce que tu bois, doudou, dis donc? Non, ça plus. Chaud, cacao. Arrête. Alors, évidemment, pas de blague homophobe. Ça va de soi, pas de blague sexiste. Attends, le mieux, c'est pas de blague du tout. Comment? Les histoires de Toto? Faut voir, hein. C'est pas évident. Eh, hey, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On n'est plus assez intelligent, on n'est plus capable intellectuellement de faire la différence entre un déconneur, un blagueur, un sketch, une parodie, un petit moment d'humour entre potes, entre copains, et le racisme. C'est flippant, oh. Il faut savoir raison garder. Qui c'est qui disait ça déjà? Ah oui, présentement, c'est mon cousin africain.